Donc si je fais ça... Ah, j'allais dire, je vais me noyer, putain. Attends. J'ai ma cible. Je vais juste savoir comment ça marche. Je peux accélérer? Ouais. On fend les flots, frère. Pratez. L'île crache feu là-bas. Pourquoi il y a des putains de baudriers sur l'eau? Foutez quoi, les nuls? J'avais promis que je capturerais un sans-cookie de cette espèce, alors. Autant y aller! Je vais m'en capturer deux pour la peine. Et va le triste sort? C'est fini pour moi la noyade. Mais qu'est-ce que... Bon, tant pis. Ah, j'ai cru que ça augmentait son esquive, j'étais là, ça sert à rien d'augmenter ton esquive, mon grand. Je suis si lent que ça. Ok, The Rain, il va pas aimer. Ah non, ça va, il résiste. Le truc, c'est qu'il m'attaque tout le temps deux fois et ça, c'est chaud. Tout ça pour ça. Même lui m'affiche plus de dégâts. C'est terriblement triste. Honnêtement, il n'est pas impossible qu'il soit remplacé. Ok. C'est-à-dire, il n'est pas impossible que Mplo du cul soit remplacé parce que c'est vrai qu'il est vraiment lent, mais. Ne me demande pas comment elle a utilisé des Tuileries Force ici. Ça, c'est qu'il n'a pas de type glace. Va, je suis tranquille sur ma moto, moi. J'adore les textures de la N64 sur la Pokéball, vraiment. J'ai quand même deux Pokémon KO, je devrais faire attention. J'ai pas un truc. J'ai des... Oh, ok, il y a des grottes. Ouais, je sais, j'arrive à l'île Crash Feu, qu'est-ce que je fais? Je soigne mes Pokémon, mais bon.
C'est quand même plus fut-fut d'y aller avec une team restaurée que d'aller me faire poutrer 100 mètres plus loin. J'ai cru que j'allais faire un truc nul. Vas-y, mon jet ski! Je fais du jet ski, mon gars. Et ouais. Il pleut, il y a du vent, c'est la tempête. Cette arche a l'air esthétiquement plaisante. Il n'y a que des tentacules en dessous. Non, mais t'as cru. T'as cru! Merci mon grand. Il pleut sur quand même l'île de feu, hein, je tiens à souligner. Voilà l'île crache-feu, fait drôlement chaud, j'en suis sûre. C'est peut-être parce que je sais qu'il y a des voleuses et des fantômes ici. Désolé Judas, mais tu voudrais bien passer devant? Je serais vraiment très reconnaissant. Pauvre Canesnos, j'espère que tu vas bien. Merde. Oh. Bon bah quitte à faire. Allons-y pleinement. Ok, point. Ça va qu'il pue la merde, quoi. Je dis non, non, non. Je dis que cela me saoule. Des ravalements. Actuellement, il y a beaucoup de ravalements. Et les teignes. Alors, vas-tu évoluer, oui ou non? On fait des recherches, je te ferai dire. On sait que les Pokémon qui ont le courage de venir ici évoluent. Allez, en plus, tu deviendras plus fort. Canini! Donc, toi, décidément, les opportuns ont la vie dure. Je vais me charger d'elle. Bizarrement, il est à toi. C'est qui j'ai mis en premier? Elle est vénère, hein? Bad Kids, qui était juste presque mort. Donc.
On va le cacher derrière tout de suite. Ah oui, pardon. Tellement l'habitude d'essayer de les capturer après. Attends, il y a une meuf qui me saoule sur le chat. Je vais aller faire fermer sa gueule. Ah non, je croyais qu'elle m'insultait. Parce que j'ai une meuf dans la place, des fois elle est un peu hautaine avec moi. Comment ça me saoule? Et je comprends pas comment je peux le perdre. J'ai fait exprès d'envoyer mon bizarre roi alors qu'il fait chaud. C'est comme un four ici. C'était pour te ménager, voilà. Est-ce que tu crois que ça me fait plaisir de combattre dans ces conditions? La pauvre. Tu cherches pas des excuses, Garance, t'as pas assuré, c'est tout. Moi, je ferais pas la même erreur, Quatox, à toi, arrosé de poison. Du coup, j'ai encore Bad Kids, je suppose que je peux pas changer. Allez, au cas où. Bien joué, mon grand. Je suis une bonne à rien ou quoi? Je peux pas me pardonner cette défaite ridicule. Ah, cette défaite, je crois que ma chance a mal tourné. Je te l'ai dit, j'ai une dent contre le groupe Galaxy. Et en toute sa rage que j'ai accumulée depuis mon arrivée de Kanto. Ah, ok, donc non, c'est la fille de. Oh, ok. C'est pas la fille de Terry, c'est la fille de Agartha, ok. Attention, elle a deux Pokémon. Bad Kid, tu vas mourir si tu restes sur ce Pokémon. L'écosphère, ça va répondre de nos besoins. Vas-y, trop relou. Pourquoi tête de fer me donne deux tours, j'en ai aucune idée, mais bon. Il a quand même tué. Je crois que c'est ce qu'on appelle un échec. Échec critique! Comment? Nous avons tous été vaincus. Constant, j'ai remis Blizzard et Quatox sur leurs pattes. Tant qu'on aura des potions, on pourra continuer à se battre. Nonos! D'où est-ce qu'il sort celui-là? Tu as l'intention de te poser à nous, Minus?
Canini! Occupe-toi de lui, Quatox. Je sais qu'il fait ça, mais j'ai encore besoin de ton aide, bizarrement. Vas-y. Canine, s'arrête, tu n'es pas de taille. Il y a un là que tu fais ici, tu devais nous attendre avec le petit. Figure-toi qu'il s'est jeté à l'eau et qu'il a nagé jusqu'à l'île. Il a traversé les flots. Alors qu'il en avait peur depuis la mort de son père. Nonos. Arca. Nonos. Il a une corde sur la tête. Il a réussi à prouver son courage. Le petit du précédent roi, il a finalement évolué. Il est brave, non pas pour avoir traversé la mer, mais pour avoir fait face à toutes ses difficultés. C'est quoi cette histoire? Pourquoi c'est lui qui a évolué? Vite les filles, je crois qu'il y a un truc qui cloche. On dirait un haïku un peu. Qu'est-ce que... Ah, attention! Arca! Câlin! On dirait qu'il crie câlin! Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Il a été frappé par un étrange éclair et il est devenu enragé, comme les autres monarques. Je savais que c'était une mauvaise idée de venir ici, oh là là. Vas-y, surtout se passer pour le nul jusqu'à ce que ce ministre vienne nous gêner. Partons les filles, on ne donne pas cher de notre peau, mais on aura notre revanche. Hé, vous allez comme ça, tout ça c'est de votre faute. Garde à nouveau partir avec les canons, ils risquent de nous attaquer. Judas, vite, dépêchons-nous. Garni? Qu'est-ce qu'on va faire pour Canina? Je veux dire Arcana. Tant que gardienne, je suis responsable de lui. Je dois le protéger quoi qu'il en coûte. Judas, il n'y a qu'un seul moyen de l'apaiser. Il nous faut des boules pacifiantes. Nacharat, pourquoi tu parles? Garni, enfin, est-ce que t'aurais oublié? Comme je suis la chef du clan Perle, j'en sais plus que toi. Bitch, je n'ai rien dit la première fois, mais s'il te plaît, arrête de m'appeler Garni devant tout le monde. Et oui, je sais que t'es la chef. T'as été choisi car t'es la seule pour le pouvoir d'appeler les Pokémon par le plus célèbre. Que tu transportes où tu vas, je suis cependant, tu me saoules un peu. Tu sais comment apaiser les monarques enragés? Ce qu'il faut, c'est utiliser leur aliment préféré. Grâce à leur technologie particulière, les fabriquer dans ce qu'on appelle des boules pacifiantes. C'est ça, Judas, hein? Ouais, c'est pas mal. C'est un bon début. Et bien, si nous avons besoin de ces aliments préférés, je les ai sur moi. Je lui donne en récompense quand il m'aide à cuire les nourritures de Paraguel. Ah oui, un petit moment, prière. Préparons ces pommes pacifiantes. Très bien, je vais m'en occuper. Et voilà, des boules belles boules pacifiantes. Je te laisse, viens me voir quand tu seras prêt à apaiser Arcanin. Est-ce que je peux soigner ma team? Parce que... Ouais. Et aussi...
Face au Arcanin. Ouais, j'ai deux Pokémon qui peuvent être intéressants là. Est-ce que tu es prête? C'est parti, mes amis! Je vous donne un canard à voix devenu roi. Il est enragé et il souffre. Apaise-le, je t'en supplie. Fais attention à toi surtout. Si tu le vois se figer et canaliser la lumière, c'est qu'il prépare à lancer une grosse attaque. L'ancien roi avait l'habitude de faire ça. Dans ce cas, mieux vaut l'esquiver. Mais du coup, c'est quoi le double type de ce Arcanin? Ok, il marche sur le feu. Ça va être chiant parce que je suppose que moi je peux pas marcher sur le feu, tu vois. Ok. Vas-y. Merde. C'est pas bon ça. Ok, comment j'esquive ça au juste? Non, parce que t'échoues le jeu. Je suis dans son cul, laisse-moi me casser. Moi, cette attaque est très problématique parce que je sais absolument pas comment je peux l'esquiver en fait. Mais vas-y, mais comment on l'esquive cette attaque? Ok, merci de l'avoir précisé maintenant. Genre maintenant il le précise, genre ah oui pour pas lancer l'attaque il faut pas lier avec d'autres attaques. Vous vouliez pas le dire avant? Merde, c'est là que j'ai zappé. D'où il m'a touché là? Que vas-y, tu peux le au chaos avec ça. Je sens la connerie approcher. Le problème, c'est que tu veux pas te soigner en fait. Il m'a touché où?
Littéralement, il m'a touché où là? T'es capable de me le dire? Je veux savoir ce que c'est pour servir la jauge, donc. Approche, mon grand. Merde. En plein milieu. Grand courroux, tiens, c'est bon. Allez, au cas où. Explosion finale dans ta gueule! Niveau supérieur! Alors regardez, l'étrange lumière a quitté Arcana, elle a disparu dans la faille spatio-temporelle! Bah alors, mon grand, on était troublé. Et tout va mieux maintenant. On vous offre la claque flamme. Je me demande ce qui se trouve de l'autre côté de la faille. Yana! Arcana! Tiens, j'ai encore entendu le cri des deux Arcana. C'est le fantôme de Mufasa. Je vois, je comprends mieux maintenant. Kana, je veux dire, Kana, te voilà roi de l'île. Toi et moi, on a chacun un rôle à jouer désormais. Nous ne devons pas nous séparer. Kana! Tout se passera bien, tu es très fort, beaucoup plus que je ne le suis. Kana? Faisons de notre mieux pour accomplir notre devoir de roi et gardienne, ok? Va à présent, mon roi. Kana! J'ai l'impression d'avoir entendu le cri de l'ancien roi, j'ai rêvé. Alors ça, c'est étrange, moi je n'ai rien entendu. Peut-être que c'était un fantôme? Je t'en prie, dis-moi que c'est une plaisanterie. Il m'en faut pas beaucoup pour me faire peur, il manquerait plus que je me mette à entendre des voix d'autres tombes. Rassure-toi, Graham, je plaisantais, excuse-moi de t'avoir fait peur. En fait, je l'ai clairement entendu moi aussi. J'imagine que pendant tout ce temps, l'ancien roi veillait sur Kaninos. Je te remercie du fond du cœur d'avoir apaisé mon petit protégé devenu roi. Je ne voudrais pas trop t'en demander, mais fais sur Nakara aussi, d'accord? T'inquiète, je vais m'assurer que Adamantin ne la saute pas, ok? Bon alors,
Audace! J'ai pas fait grand-chose finalement à part regarder. Dans Clampère, tout le monde disait que Garnie était digne d'être gardienne, car elle était incapable de faire de Canino un roi. Alors je suis allée la voir pour lui suggérer de lui faire suivre un entraînement spécial. Quand je lui dis ça, elle s'est tout de suite mise en colère. Elle m'a demandé quel genre de gardienne forcerait Canino à suivre un entraînement aussi exigeant, alors qu'il est encore sous le choc de voir son père mourir devant lui. Je veux dire qu'elle avait pas tort. Pour couronner le tout, j'ai rien pu faire pour aider Arcana quand il s'est enragé. C'est faux. C'est gentil de me complimenter pour si peu. Mais j'ai failli arriver trop tard. À part fabriquer des boules, j'ai pas fait grand-chose. Je suis devenue chef sans trop savoir quelle direction donner au clan. C'est pour ça que j'ai tout d'abord voulu préserver les coutumes de nos terres, même si certains venaient à trouver ça même un peu vieux jeu. Mais en voyant, j'ai compris que c'était avant ça, c'était avant tout de protéger Ichu. Judas, tu veux bien te battre à nouveau contre moi, putain. Je crois qu'en combattant avec mon partenaire, je deviendrai suffisamment forte pour t'aider. Et ça donnera plus d'opportunités d'élargir mon horizon. Let's go. J'ai encore appris une bonne leçon grâce à Garni. Tant que je la remercie. J'aimerais bien savoir ce qui se passe entre les Graves. On va dire que Graham est moins peureux qu'il en a l'air. Bon, je fiche, je commence à étouffer. Il fait beaucoup trop chaud ici.